Hey, salut les tarophiles, bienvenue sur cette petite vidéo en mode de flash éclair, une petite astuce très vive. Voilà, j'avais envie de vous proposer simplement une petite solution. Alors peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais je la propose pour ceux qui auront la possibilité de la mettre en application, et puis les autres verront. Voilà, moi je suis toujours à poser tout un tas de questions à mon jeu de tarot, dans quelle énergie je suis, ce qui va se passer demain, est-ce qu'il y aura des croissants bien chauds à la boulangerie, voilà, tout un tas de questions évidemment très pratico-pratiques, et bien entendu indispensables. Et je me suis dit, bah oui, mais c'est bien, j'ai très souvent un jeu de tarot avec moi, mais pas toujours. Ah oui, j'entends déjà les bouh, bouh. Ouais, bon, bah, ça arrive, hein. J'ai pas toujours non plus ma mallette de l'apprenti tarologue sous le coude. Donc, je me dis, bon, bah, faut trouver autre chose. Et c'est vrai que c'était un peu la question du jour où, voilà, je me baladais un peu et puis je me suis dit, bon, tiens, ça serait bien, faut que je me pose cette question-là. Ouais, d'ici à ce que je rentre à la maison, je suis sûr que je vais avoir oublié. Donc, souvent, je prends en note. Et puis là, je me suis dit, et si on était un peu malin? Parce que on n'a pas forcément tous un jeu de tarot sous le coude. Par contre, les téléphones, a priori. Ben, on est nombreux à en avoir, et surtout les smartphones. Et aujourd'hui, les smartphones, ils ont un avantage. C'est pour ça que je dis que ça ne parlera pas à tout le monde, forcément. Ça parlera à ceux qui ont un smartphone. Mais c'est que nous avons des assistants vocaux intelligents, enfin intelligents, ils font ce qu'ils peuvent, hein, évidemment, et qui peuvent pas mal nous dépanner là-dessus. Prenons exemple. Je me demande, par exemple, comment va se passer ma journée de demain. Eh bien, je sais que je tire d'habitude les cartes avec les arcanes majeures du tarot. Je sais que les arcanes majeures vont de 1 à 21. Certains aimeront rajouter le 22, mais il n'y a pas de 22 sur le mât, encore une fois. Je ne vais pas m'énerver, on avance. Mais je sais que ça va de 1 à 21. Donc, je vais prendre ma bestiole et je vais lui dire, donne-moi un chiffre entre 1 et 21. Ça fait 18. Et là, il me donne le chiffre de 18. Et c'est bien un chiffre aléatoire. Alors là, ça ne se voit pas très bien parce que mon téléphone est un petit peu trop lumineux, mais c'est bien marqué nombre aléatoire. Et il me donne entre 1 et 21, il me donne 18. Donc je sais que ma journée de demain va ressembler à 18. Dans quelle énergie est-ce que je suis? Donne-moi un chiffre entre 1 et 21. Ça fait 9. Ok, je suis dans une énergie 9. Bon, en plus je suis tout seul à la maison, ça tombe bien, c'est le moment. En plus c'est le soir, je ne sais pas quelle heure il est. Indécemment tard. Et donc voilà, et ça vous permet d'avoir ben, un petit tirage très rapide en mode flash éclair. Voilà, c'était la vidéo, la pop vidéo très vite du jour. Bonne pratique à vous, bon téléphonage tarophonique. Et puis voilà, bon tirage par chiffre siriquement interposé. Voilà, des bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!